L'argument du chirurgien ophtalmologiste remplacé par des techniciens du fait de la sophistication des techniques, on l'a connu dans les années 90 avec la phacoemulsification qui allait soi-disant nous mettre aux oubliettes, et aujourd'hui on n'a jamais opéré autant d'yeux et autant de cataractes, puisqu'on a presque atteint en 2022 le million de patients, enfin pardon, le million d'yeux opéré de la cataracte. Et c'est toujours chirurgical, c'est toujours compliqué, et il faut un long apprentissage. Et précisément, c'est ce qui va nous être traité par Tristan Boursier, qui va nous expliquer comment être un très bon chirurgien, mais il faut déjà être un chirurgien qui démarre, et nous parler de l'apprentissage, et notamment probablement du rôle des simulateurs sur cet apprentissage et cette formation chirurgicale, qui est un point absolument essentiel. Merci Christophe de ces paroles d'accueil, cher Jean-Pierre, cher Président, chers collègues, chers amis. Je suis ravi d'être avec vous de nouveau ici, dans ce beau lieu, pour vous parler de l'apprentissage de la chirurgie de la cataracte en Europe. Alors, en quelques mots, hein, pour ceux qui ne connaissent pas bien l'ophtalmo, la cataracte, c'est l'opacification des cristaux, qui est responsable d'une baisse de vision, mais aussi d'une baisse de qualité de vie. Heureusement, il y a un traitement qui est la chirurgie. C'est d'ailleurs la chirurgie la plus fréquemment réalisée au monde. Et retenez ce chiffre, dans la plupart des pays européens et nord-américains, la chirurgie de la cataracte, c'est 82 à 85% des chirurgies. Donc, ça constitue un objectif d'apprentissage indéniable. Et puis, la technique de référence actuellement, on y reviendra plus tard, c'est la phacoemulsification du cristallin par ultrasons, en attendant que Keranova nous donne des solutions laser médiées. Comment forme-t-on à la chirurgie de la cataracte? C'est un long processus qui dure selon les pays entre 4 et 7 ans. Ça commence par un enseignement théorique, celui des connaissances, et puis ensuite c'est l'acquisition des compétences chirurgicales au travers de différents outils, la simulation, et puis le compagnonnage en salle d'opération, d'abord sous supervision, puis en autonomie complète pour atteindre le niveau de maîtrise, ce que caractérise l'anglo-saxon par proficience. À l'échelle européenne, on s'aperçoit que ce qui fait les trois piliers d'un bon médecin, c'est-à-dire les connaissances, les compétences et puis le professionnalisme, sont diversement enseignés et évalués. On est tous d'accord pour dire que les programmes pédagogiques, les livres sont bien faits, les sites sont bien faits et l'évaluation par des examens nationaux ou européens est bien faite. En revanche, en ce qui concerne le professionnalisme, ça pourrait être l'objet d'une autre discussion, on est bien en retard par rapport à l'Amérique du Nord. Et en ce qui concerne la compétence, les Européens sont très différents les uns des autres. Il n'y a toujours pas d'Union européenne de la pédagogie médicale ou chirurgicale. Je pense que ceux qui sont spécialistes ici en sont d'accord. Et donc, en tant que membre du comité éducation de BO et puis nouveau président de BO, on s'est posé la question l'année dernière de savoir quels étaient ces points de convergence et ces disharmonies entre les pays européens en termes de chirurgie de la cataracte, puisque la chirurgie la plus emblématique en ophtalmo, on vient de le dire, c'est la cataracte. Donc, notre étude, notre enquête européenne a cherché à savoir par une interview au travers de questionnaires électroniques quelle était dans les 30 pays européens la formation, les opportunités de formation des internes ayant passé l'examen EBO. Et on a choisi donc une population d'internes qui est relativement récente, donc des données récentes, sur 1806 questionnaires envoyés l'année dernière. Nous avons eu 821 réponses, représentant 30 pays, 248 villes. L'âge moyen des répondeurs était 33 ans, c'est normal, c'est la fin d'un internat. La durée moyenne de cet internat était de 5 ans, avec des extrêmes entre 3, les pays baltiques, et puis 7, la Grande-Bretagne. Le ratio homme-femme est actuellement partout en Europe de 56-44, et on avait une majorité de droitiers parmi les apprenants. Concernant le simulation, qui était la première partie de notre questionnaire, vous savez qu'il y a trois outils utiles. La simulation sur yeux animal, les yeux de cochon notamment, hein, c'était un standard il y a quelques années. Ils ont été remplacés par les yeux synthétiques, les yeux en silicone, qui miment très très bien la gestuelle chirurgicale. Et puis, depuis maintenant une quinzaine d'années, on a des simulateurs à réalité virtuelle. Et vous voyez sur ce tableau que la plupart des 30 pays européens ont au moins un des trois moyens de simulation. Et 23 pays sur 30 ont deux moyens de simulation, ce qui est très rassurant. En revanche, lorsqu'on regarde le nombre de séances de simulation déclarées par les répondeurs, on s'aperçoit que dans l'immense majorité des cas, c'est moins de 10
Mais c'est sur 5 années d'internat, donc moins de 10 sur 5 années d'internat. C'est comme faire une séance de conduite tous les 2 mois. Ça n'a pas vraiment de sens. Hein. Donc, c'est peut-être là un des premiers points d'amélioration, la simulation chirurgicale. Ensuite, lorsqu'on passe en salle d'opération, on s'aperçoit que la plupart des internes apprennent dans les 2 premières années de leur cursus. Et ça, c'est heureux. Hein. Plus on apprend tôt, et je pense plus les compétences montent haut, mais ça n'est pas toujours le cas. Donc, une première moitié dans les 2 premières années, et la deuxième moitié commence les premiers gestes de chirurgie de cataracte, et notamment de phacomissification, dans les années 2, 3, 4, 5. Et ce qui nous a beaucoup surpris, c'est dans ce diagramme tout en haut, 25% des répondeurs ont déclaré ne pas avoir effectué un seul geste ou une seule chirurgie de la cataracte pendant leur internat. Et ça ne concerne pas un pays, mais 13 pays en Europe, avec une répartition qui vous est illustrée ici avec ce rouge, qu'on le reverra un petit peu après, si vous le voulez bien. Oui. Vous savez très bien que la chirurgie de référence actuellement, c'est la phacomulsification. Et cette étude a montré que les 2 étapes, et là je parle aux spécialistes qui posent toujours problème, en début comme en fin d'internat, sans surprise, c'est le capsulorhexis et le cracking. Et celui qui pose toujours problème en fin d'internat, c'est le cracking. Donc il va falloir, dans les simulateurs et dans les cours de chirurgie de cataracte, mettre l'accent sur ce cracking parce que c'est réellement ce qui bloque la progression des internes. Et il y a 12 étapes dans cette chirurgie qui dure 12 minutes. Et si on est bloqué au milieu par un cracking inefficient, c'est là qu'arrivent les complications. C'est peut-être là que le laser sera utile, messieurs. Voilà. Et puis, la dernière partie du questionnaire, c'était de déclarer très sincèrement, très librement, combien de chirurgies de cataracte effectuées à la fin des 5 ans. Et puis, la confidence des internes à réaliser une chirurgie de cataracte simple, donc CS, c'est pour cataract surgery, une chirurgie de cataracte cas compliqué, hein, les petites pupilles, les désinsertions zonulaires préopératoires, de manager une complication telle que la rupture capsulaire postérieure et de mettre une suture cornéenne. Suture cornéenne, ça peut être utile dans certaines chirurgies de cataracte. Et les indices de confidence ont été tous notés sur 10, hein, tandis que le nombre de cataractes ont été notés de 0 à 500. Est-ce que vous êtes prêts pour les résultats? Est-ce que vous avez une idée du nombre moyen de chirurgies de cataracte sur 5 ans d'internat en Europe? Toute Europe confondue. C'est très variable. Alors, c'est très, très variable. Alors, on y va. 80, mais regardez les écarts types, plus ou moins 100. Ça caractérise des extrêmes entre 0 et 500. On a une moyenne de 80. C'est assez heureux, 80, parce que c'est ce qui est recommandé dans la littérature comme niveau de compétence et 300 comme niveau de proficience. Voilà, proficience. Hein. Donc, 80 compétences, 300 proficience, ça a été décrit il y a un an et dans des très, très belles revues. Donc, ça, c'est pas mal, mais les inégalités sont terribles. Et puis, à toutes les autres questions, le score est en dessous de 5. C'était une note sur 10. On est à 4, on est à 3, on est à 4, on est à 2. Je pense que, voilà, on peut mieux faire. Et ce qui est rassurant, c'est que plus on opère des cataractes et plus le niveau de confiance en soi augmente sur tous les autres paramètres. Donc, ça, c'est une belle leçon. Voici, pour rendre les choses un peu moins arides, les pays où il fait bon être interne d'ophtalmologie pour opérer la chirurgie de cataracte en Europe, tous les pays au-dessus du 80, et voici les pays où c'est un petit peu moins bon parce qu'on est en dessous du 80 en 5 ans d'internat. Et puis, à titre d'information intéressante, malheureusement, on a dû constater, comme dans d'autres chirurgies, que les internes femmes opéraient moins que les internes hommes. Et pourtant, on est une profession, l'ophtalmologie, une spécialité plutôt féminine. Et malgré tout ça, moins 18% par rapport aux collègues masculins. Et du coup, un taux de confiance en soi qui est en dessous des collègues masculins. Le deuxième point qui nous a un petit peu surpris, c'est celui que les internes dans des programmes de résidana courts, moins de 5 ans, opéraient plus que ceux qui avaient des programmes de résidana longs, plus de 5 ans. Probablement parce que comme ils savent que ça va être court, ils se précipitent pour aller très, très vite. Puis l'autre explication, c'est que dans les au-dessus de 5 ans, il y a l'Allemagne. Et l'Allemagne est un grand nombre des répondeurs de cette étude, et donc ça a probablement biaisé un petit peu ce résultat particulier. Dernier point à la question, est-ce que vous considérez qu'un clinicien, un fellowship chirurgical va vous être utile pour parfaire votre compétence et technique? La réponse est cette fois-ci entre 0 et 10, elle est de 7,7. Donc c'est un plébiscite pour le clinicien, c'est un plébiscite pour le
ce qu'on appelle le post-residency training. Ouais, ça va faire plus. Neuf en chirurgie générale. Voilà. Donc 7.7 en ophtalmo. Donc en conclusion, cette étude qui va bientôt être publiée montre une énorme hétérogénéité dans les pratiques de formation en chirurgie de la cataracte, mais plus généralement en chirurgie oculaire partout en Europe. Ça nécessite que l'UBO et l'UMS se saisissent du problème en rédigeant et en promulguant des recommandations européennes cette fois-ci. Et puis, ça nécessite de promouvoir le fellowship et les formes de post-residana partout en Europe. Et puis, ça nécessite à nous, les apprenants, d'organiser la formation des trainees en faisant des centres de simulation et puis surtout en étant à leur côté dans le centre de simulation, mais aussi au bloc opératoire. La simulation, et ça, c'est le message principal, sans pratique chirurgicale derrière, oui. Il ne faut pas grand-chose. Il faut réellement les deux. Simulation, bloc, resimulation, rebloc, etc., etc. Merci beaucoup pour votre attention et surtout merci aux personnes qui ont participé à cette étude. Comme je disais, le président de notre commission formation, Philippe Marc, était très attentif à votre communication, en particulier sur le lien simulation et pratique chirurgicale. Merci. Moi, je voudrais faire un commentaire supplémentaire, puisque c'est une grande réflexion que nous avons au niveau français. En Ile-de-France, nous avons mis en place l'obligation pour les internes socle, donc première année, l'obligation de se former sur simulateur avant de commencer à opérer des patients. Donc, ça nous paraît évidemment absolument essentiel. Et la question se pose au niveau de la province, puisque tous les CHU n'ont pas de simulateur, n'ont pas accès à des simulateurs, en tout cas pas de manière facile, même s'il y a plusieurs CHU maintenant qui sont équipés, ce qui est une très bonne chose, mais il y a effectivement un maillage de formation à faire parce que ça nous paraît absolument essentiel. C'est une question de coût, d'accès au simulateur, enfin la volonté d'achat d'un simulateur. Oui, indiscutablement, c'est l'ordre de 200 à 300 000 euros au simulateur. 250 000. 250 000 pour avoir cataracte et rétine dans le seul modèle commercialisé actuellement. Oui. Alors, on a il y a Hubert, le secrétaire général, Hubert Joannet. Oui, merci beaucoup pour cette présentation. Il y a très peu d'évaluation de la formation. Très rare, monsieur. Et donc là, on voit arriver, on voit les vrais problèmes. Nous avons reçu la première loi d'environnement des effets militaires et c'était un cours de robotique chirurgicale. Donc, TGAMI, formation en robotique chirurgicale. Vous expliquez ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que les aspirants pilotes qui commencent par faire de la simulation. Et au bout de 5 jours, s'ils ne sont pas capables de résoudre un certain nombre de gestes, on va sérieusement se poser la question de savoir s'ils vont rester. Et donc, une évaluation par la simulation avant une évaluation publique apparaît effectivement la bonne formule pour donner l'autorité. Juste un petit commentaire. Pascal, il existe des locations maintenant de simulateurs, notamment par le biais de l'ESCRS, notre société européenne, qui propose une itinérance d'un simulateur, ce qui réduit les coûts et pourrait peut-être les faire fédérer. C'est ça, entre plusieurs CHU. Exactement. Exactement. Philippe Marc, vous voulez poser une question ou intervenir? Oui, d'abord, je voulais féliciter l'orateur sur cette excellente présentation et ensuite faire 3 remarques. La première, c'est que effectivement, les simulateurs coûtent cher et on peut se poser la question de les regrouper dans des centres fonctionnant peut-être pas à plein temps, mais regroupant les experts disponibles et proposant des stages de formation. La seconde, c'est l'importance fondamentale du compagnonnage et de la relation d'enseignant à enseigné, qui fait beaucoup pour la progression de l'enseigné. Et la troisième, c'est le cahier de suivi de l'enseigné qui note tout ce qu'il observe, qui note tout ce qu'il peut apprendre et qui lui permet de suivre sa progression par rapport aux autres, par rapport à ce qu'on y a appris et avoir de cette manière une évaluation personnelle précise de son évolution. Merci beaucoup pour ces 3 remarques qui sont parfaitement justifiées
et sont exactement l'objet du projet dont je suis porteur de faire au niveau de l'IHU Forsyth au 15-20 une école de chirurgie expérimentale et virtuelle sur simulateur. Alors, ce que vous venez de décrire, c'est exactement le passage de l'artisanat que nous avons. Nous avons un simulateur. Nous avons quelques chefs de clinique qui veulent bien de temps en temps former l'interne, mais qui, comme ils n'ont jamais le temps, passer éventuellement les internes du service et puis surtout pas plus, pour passer à la dimension au-dessus, c'est-à-dire faire un lieu de stage avec un encadrement dédié, parce que c'est absolument essentiel. Mettre quelqu'un sur une machine, s'il ne sait pas bien faire, il continuera à simuler ses erreurs au lieu de s'améliorer. Donc, il est évident qu'à côté de la machine, il faut l'instructeur et puis bien entendu un suivi avec des objectifs. C'est parfaitement ah ben c'est très intéressant. On va en parler parce que l'Académie a un projet, Hubert vous l'a dit tout à l'heure, de faire un séminaire sur cette question, beaucoup plus structuré que la séance de la semaine dernière, à la fin de l'année. Jean-Claude Copinat, commission innovation. Il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Enfin, je comprends, bien sûr, vous savez qu'on soutient très fort votre projet, toutes les écoles. Ce défaut d'évaluation pendant des années de toute la chirurgie, etc. Je veux dire, là, quand j'entends un simulateur, ça coûte cher, alors que toute la sécurité n'est pas assurée, on ne la connaît pas, il n'y a pas de formation correcte quand on prend tous les internes et quand on prend véritablement, vous l'avez fait là pour l'Europe, on l'a fait en France sur la chirurgie générale, etc., ils sont à 80% à dire qu'ils ne sont pas formés, etc. Alors, venir dire qu'un appareil qui coûte 200 000 euros pour apporter la sécurité, c'est comme si on disait on ne forme pas nos pilotes parce qu'un simulateur, ça coûte beaucoup plus cher, etc. Je ne comprends pas ce raisonnement. C'est le même que celui pour la robotique dans la chirurgie générale qui consistait à dire qu'un robot de chirurgie générale, ça coûte cher, alors que ça apporte partout des économies en santé absolument gigantesques qui permettraient, si on les implémente, de les financer d'une manière simple. Il y a une erreur de raisonnement qui est prise véritablement à l'envers. Là, complètement, c'est une excellente remarque et c'est dommage que notre sénatrice ne soit pas là pour relayer cette idée. Parce qu'aujourd'hui, la notion de simulation, c'est de l'éducation, c'est de l'enseignement, donc c'est le budget de l'éducation. Et quand on va aller voir une faculté de médecine, malgré tout, avec des budgets limités, c'est très difficile de dégager. Alors, on est privilégié à Paris, mais il y a beaucoup d'endroits où c'est très difficile. Alors qu'effectivement, ce n'est pas qu'un problème d'éducation, c'est un problème de santé publique. Former des bons chirurgiens, c'est beaucoup plus économique à la fin, que d'avoir des chirurgiens qui génèrent des complications, de la iatrogénie, etc. Évidemment. C'est parfaitement légitime. Vous êtes en train de parler, est-ce qu'il est spécifique de la phacoémulsification ou est-ce qu'il est multitâche ? C'est-à-dire qu'il suffit de changer le programme et on passe sur un programme d'une autre intervention. C'est la première partie de ma question. La deuxième partie, quelle est la place de l'industrie avec ces simulateurs ? D'ailleurs, quelles sont les marques ? Est-ce qu'il y a une marque ou plusieurs marques de simulateurs ? Est-ce que c'est une marque ou des marques qui sont liées à un industriel qui est également présent techniquement au niveau du bloc. Voilà les deux questions qui rejoignent un petit peu la question du financement. Mais là, je dois dire que l'idée d'un leasing avec 3 ou 4 CHU qui s'associent pour créer des stages, ça me paraît évident. Ouais. Alors, la question est complexe. Pour l'instant, il n'y a qu'un seul simulateur actuellement commercialement disponible. Ouais. Pardon, c'est celui de Achtret. Qui distribue plein d'autres matériels ophtalmologiques et qui est en charge de simulateurs qui s'appelle IC et qui s'occupe de la phacoémulsification et de la chirurgie de la rétine uniquement. D'accord. Arrive une deuxième plateforme, parce que je préfère parler de plateforme que de simulateur, c'est plus que la cataracte, ça commence par la cataracte, ça s'appelle HelpMeC, c'est une fondation, et donc ce n'est pas une industrie, dont le concept et l'approche est un petit peu différent, c'est un simulateur avec retour de force, et c'est ça la grande différence par rapport au premier, et surtout des instructeurs professionnels qui passent des dizaines d'heures à devenir instructeurs et qui ont 100% de leur temps pour fournir des stages intensifs et faire de l'e-learning en pré-stage. Des instructeurs ophtalmos. On a la logique avec le monde du pilotage aérien, hein, des compagnies aériennes qu'il faut regarder. Je crois beaucoup plus dans cette solution de stage intensif, de e-learning avant d'aller en centre de simulation et puis d'accompagnement sur un stage longue durée et puis ensuite au bloc opératoire, que en des simulateurs qui sont déjà sans retour de force, sans encadrement véritablement maîtrisé, puis sans évaluation
garantie. Une dernière question. Parce que le temps passe là. C'est juste une question de sémantique. Votre présentation est parfaite, remarquable, etc. Par contre, pour ce qui concerne l'Europe, je crois que vous avez fait une confusion entre l'Europe médicale que tout le monde souhaite et qui est parfaite avec la Turquie et l'Union européenne et qui est régie par des traités, par des lois qui sont extrêmement précis et qui permettront d'imposer des formations. Là, on voit la disparité, on pourra l'harmoniser, mais simplement dans l'Union européenne pour l'instant. Voilà. Oui, mais la Turquie est un pays affilié à l'UMS. Je suis permis de mentionner, tout comme Israël, tout comme l'Arménie, tout comme l'Ukraine, tout comme la Serbie. Voilà, c'est une étude de la vraie vie sur 30 pays européens. On va dire le continent européen. C'est le continent européen, la région d'influence européenne. Je parlais de l'Union européenne, c'est extrêmement précis. Merci. Merci. Juste un petit peu pour revenir sur ce qui vient d'être dit par tout le monde, la sélection des opérateurs. C'est ce sur quoi Jean-Pierre Henry insiste beaucoup, celui qui fait de l'enseignement des pilotes de chasse sur simulateur, il insiste beaucoup sur la sélection des opérateurs. S'il y en a qui n'ont pas les qualités pour, c'est pas la peine, on perd son temps et il faut qu'il fasse autre chose. On a vu ça la semaine dernière et on a vu qu'en tout cas, la réglementation actuelle ne permet pas cette sélection, mais elle peut permettre une orientation précoce. Voilà, merci. Merci beaucoup. C'est une question de...